Alors 7, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite, comme d'habitude. Bah, je vais lancer soit le monde tranquillement. Bon, je vais pas faire l'émission du jour maintenant parce que ça sert plus à rien, il est 17h, frère. Mais en gros, de ce qu'il y avait d'intéressant aujourd'hui, bah, je sais même pas. Je peux même pas pouvoir vous dire, mais. Ah, j'étais en BR depuis tout à l'heure donc. J'ai fait pendant 2h30, 3h. Du coup, on va directement se découvrir qu'on a le héros de niveau 50 de Battlebreaker, si je me trompe pas. Petit cadeau, vous voyez, hein, bim, petit cadeau. Notre petit. Koro, ou je sais pas quoi là, Nakamura frère, c'est bon. Avec un petit lama amélioré, pourquoi pas, pour la fin de vidéo du coup. Donc aujourd'hui mon défi c'était quoi? Faire 5 games, ça fait 100 V-Bucks. Voilà. C'était ça mon défi du jour. Mais sachant que j'ai fait tous les défis, enfin toutes les missions 160 hier, tu vois. J'avais pas besoin de faire quelque chose quoi. Je suis bugué là frère. Ok, du coup le héros qui se trouve ici, bim, lui du coup sa spécialité c'est fracas sismique. Bon vous le savez hein, le héros il est disponible depuis 8 mois je crois, ou 9, je sais plus, mais ça m'a lancé une game vraiment, ça me lance des games maintenant genre si tu veux, mais bon du coup. Okay, non, c'est quoi? Qu'est-ce que je voulais dire? Oh, il a donné ma gratuite. Hop. Bim. C'est tout pour cette fois. Bon, depuis la main gratuite, c'était pas très prévu, mais. Il est argenté celui-là en plus. Ok, pas mal. Est-ce que je vous fais une petite game avec notre ami. Nakakomo Shomrol ou je sais pas quoi là. C'est un aventurier du coup. Vas-y, je vais voir l'émission un peu. Et puis je vois si je fais une petite game avec Haruzu Desuguma. Je sais pas c'est quoi son nom frère, mais. Oh dommage qu'il n'y avait pas une petite mission V-Buck à Fontainebleau quand même avec. Avec ma petite. L'autre quoi. Villeplanche. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant aujourd'hui? Pardon. Ville Planche. Feu de camp, ouais, pourquoi pas. Ouais, aujourd'hui, je pense qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant à faire, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'avais pas trop joué. Je pense. Enfin, là, en soi, il faut que je fasse 5 games. Voilà. 5 games, tu mets 1h30 à les faire, je pense, sauf si tu fais que des menus inéco-équipés, tu mets un peu moins d'une heure. Vu que tu fais que des 10 minutes, donc ça fait 50 minutes, mais avec le chargement et tout, ouais, ça fait 1 heure quoi. Voilà, donc en soi, je peux le faire assez rapidement ce défi-là. C'était quoi comme arme ça? Vas-y, mais arrête de bugger, je vais voir l'arme. Ok, le marteleur. Marteleur, c'est un mêlée. Mêlée. C'est sympathique. J'ai attrapé un rhume je crois, mais moissonneuse en moissonneur. Ah si, il y a une petite mission de bug là. La norme 35 du coup. C'est un brut. Pourquoi pas la faire hein, du coup. Mais du coup il faudrait que j'améliore le petit héros en 77. Mais je pense pas que j'aurai assez de manuel, je vois. Si je pense 77 ça passe. Vas-y, je le monte 77. Il va partir en collection hein, clairement. Je peux même plus. Ouais, je pourrais plus. Mais vu que vas-y, je vais faire cette mission du coup. Je vais faire une compo avec lui juste après du coup. Du coup, on était où? Non, on est encore. Ok. Donc il y a une mission à bug.
Enfin, il y avait du coup, vu que là, si vous voyez cette vidéo, bah, ça sert plus à rien, sauf si vous jouez de soirée, vu que c'est le week-end. Dagobert 3, pourquoi pas, en légendaire. Ouais. Ouais, du coup, si vous n'avez pas fait comme moi les deux missions là. Enfin, les. Je suis content, si j'ai un compte. Si vous avez comme moi pas fait. Les héros Battlebreakers là, en vrai c'est assez rapide à faire. Là t'as un petit Renegade soldat choc là, je sais pas. En soi, bon ça va quand même vous mettre entre 16 et 20 heures je pense à faire. Moi j'ai fait en demi, je vais pas vous mentir. J'ai commencé, bah, déjà pour avoir Razor j'ai mis un bon 8 heures pour l'avoir. Mais du coup je jouais, je faisais pas auto. Si tu mets auto je pense que ça réduit un peu l'heure quoi. Et puis du coup pour être niveau 50, là j'ai refait une session de jusqu'à 5h du mat, ça fait 5h. J'ai dû faire à peu près ouais 8h. Ouais, du coup ça fait entre 16 et 20, on va pas se mentir, pour monter jusqu'à niveau 50. Donc si vous voulez ces deux héros, c'est assez simple, on va pas se mentir. Allez, un week-end, là c'est le week-end, tu vois, tu prends le week-end, bam, tu joues genre une après-midi ou une soirée, et c'est bon quoi, tu l'as fini, le héros, tu l'as, les héros, tu l'as. Et en soi, le jeu est plutôt sympathique, quoi, donc ça va. En vrai, il est sympathique à jouer. Quand tu comprends et tout, c'est sympathique. C'est un jeu de stratégie, tu vois. Et il y a un survivant allège, du coup. J'ai pas dit, mais voilà. Du coup, vas-y, on va faire une petite game. Vas-y, je vais faire une petite game, du coup. Alors, on va partir sur un truc où il n'y a rien. Donc là, il y a Razor. Mais je sais pas si je les garde, ces héros-là. Dites-les-moi en commentaire si je dois les garder ou pas, ces deux héros-là. Donc il est où mon petit playboy là? Il est là, bim. Du coup lui sa capacité c'est vraiment fracas sismique, donc je vais essayer de focaliser ça. Et en plus ça fait impact et ça fait des dégâts de feu. Donc là s'il y a des zombies nature ça peut être intéressant du coup, vu que vous avez compris c'est feu, son truc à lui. Donc vas-y fracas sismique. J'aimerais bien me faire un petit délire avec comme là en soi j'ai rien avec fracas sismique en truc quoi. Ouais, j'ai rien avec fracas sismique en double. Et donc, ouais, j'ai rien en fait. Du coup, vous savez quoi? Je vais tester un petit délire. Je vais mettre en déflagration. Et je vais me faire un petit délire. Du coup, déflagration, on va mettre armure, je m'en fous. Vas-y, je vais mettre lui. Et lui, en vrai, on s'en fout de qui je mets. Je vais mettre du coup mon héros favori qui est elle du coup. Du coup, ça va augmenter les dégâts des compétences, donc je vais faire full fracas sismique. Enfin full non vu qu'il y aurait un délai assez conséquent quand même. Après, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? En vrai j'ai rien pour aventurier tu vois. Ouais j'ai rien en fait. J'ai rien. Vas-y je mets lui. On va jouer avec une. On va jouer PM, on va pas se mentir. Et puis du coup, vu que je joue PM, on va mettre. Vas-y, elle. En vrai, c'est une compo de merde, hein. C'est juste pour tester le héros. Du coup, vas-y, on va partir sur la mission Morn. Et je vais mettre. Vas-y, je joue solo. Je vais mettre Ami au cas où ils veulent rejoindre. C'est risqué quand même si je joue solo là, non? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à inviter au pire? Non, c'est pas. Ouais, vas-y, je vais mettre ami au cas où. Il est vraiment stylé en vrai. Est-ce qu'il a un sac à dos, tiens, par hasard? Ah oui, c'est ça son sac à dos. Ah, il est vraiment stylé. Hein. Ah ouais, il est stylé le héros, non? En vrai. Ouais. Ouais, il est stylé. On va lancer du coup. Bon, évidemment, entre les deux, Razor, elle est quand même un peu plus intéressante à jouer. Mais bon, vous savez que moi, j'aime bien tester des. Enfin, avoir différents héros. Et puis, j'aime bien pour la collection aussi, tu vois. Là, je vais peut-être le garder durant le week-end. Si jamais je fais un live et tout, je jouerai peut-être avec ces héros. Si j'ai des défenses à Morn ou à Villeplanche à faire pour aider des gens. Pourquoi pas jouer avec des héros comme ça, quoi, pour le fun. Mais sinon, ouais, je vais pas les jouer des masses, quoi. En vrai, on va pas se mentir.
Je vais pas aller jouer des masses. Enfin, pas lui en tout cas. Razor peut-être, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, mais il faudrait que je les améliore. Et en vrai, vas-y. J'ai pas trop envie de les améliorer. Mais après, ce qui est dommage avec ces héros, c'est que tu peux pas les avoir en double. Ce serait bien, tu sais, ils auraient pu faire un truc en mode. Tu sais, tu le débloques, donc tu l'as une fois en collection. Et vu que tu l'as mis en collection, tu peux les racheter avec n'importe quoi, avec des flux ou des tickets de. Avec des tickets de recrutement, tu vois. En soi, ça aurait pu être une idée, tu vois. Genre, en soi, tu l'as le héros, donc à partir du moment où tu l'as, tu vois, bah tu peux l'avoir quand tu veux, tu vois. Moi, j'aurais fait ça, même pour les héros d'événements, tu vois. Genre, il y en a, je comprends que tu peux pas les prendre, du coup, avec les flux. Et tu peux que prendre avec les tickets, mais une fois que tu l'as, une fois que tu l'as la première fois, bah du coup, ça veut dire que tu l'as, tu vois. Ça aurait été bien qu'on puisse les avoir tout le temps, quoi. Tu vois ce que je veux dire, bah. Je sais pas si vous avez compris, mais. Moi, je me suis compris dans mon raisonnement. Elle, ça compte. Attends, elle fait pistolet et PM, non? Ouais, mais du coup, si je joue fusil d'assaut, c'est un peu con. Ouais. Ouais, c'est PM et pistolet. Du coup, je vais jouer PM, mais je vais le mettre en. Ouais, PM ou pistolet. Est-ce que je jouerai pas champ funèbre, par exemple, pour une petite game? Vas-y, je joue champ funèbre pour cette game. Du coup, les potes. Merde. Bim. Vas-y, je joue champ funèbre. Non. Vu que c'est un héros feu, vous avez compris. Du coup, vas-y, je fais en sorte que. Attends, je vais voir son fracas sismique, du coup, ça fait quoi? Ah oui, quand même. Ouais, bon. Là, on n'a pas vraiment vu l'impact. Ah, il met quand même. Ah, il met du temps à se revenir de. L'impact là, fracas sismique. Évidemment, on mettait des héros en soutien pour réduire le délai du fracas sismique, hein, logique. Moi là, j'ai pas fait parce que j'ai pas de héros en soutien pour faire ça, tu vois. Mais en soi, si vous avez, mettez, clairement. Mettez. Ou même mettre l'autre là, comment ça s'appelle? Je sais pas comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, mais genre. Tu sais, la meuf gratuite, là, la violette, là, avec ses cheveux bizarres, là. Oh putain, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, je sais plus comment elle s'appelle, vu que je l'ai jamais utilisé de ma live au final, tu vois. Non, bref, je sais pas ce que ça change vraiment, en fait. C'est l'impact. Moi, j'ai l'impression que j'ai 0 point de vie, c'est quoi le délire? J'ai mis en ami. Enfin, j'ai pas trop à attendre en soi, mais. Oh, tu casses les couilles, toi! En vrai, je sais pas ce qu'il fait. Je vois pas la différence entre un impact classique. Je vois pas, non. Je vois pas la différence. Hein. C'est quoi son truc exactement? Fracas sismique, un étourdissement. Ouais, mais s'il meurt tout de suite. S'il meurt à l'instant, le zombie, ton étourdissement, il a même pas le temps de s'activer en fait. Tu vois? Non? Dans la logique. Tu rends 3,3 secondes et inflige un impact de 1500. De plus, fracas sismique applique 35 points de PV feu. Donc ça met des dégâts de feu du coup. De base, chaque. Pendant 3 secondes à chaque fois, ok. Ok, bah écoute, ouais, pourquoi pas. Bon, là en vrai, je peux pas vraiment tester sa compétence de base, vu que les zombies, dès que je vais faire fracas sismique, ils vont mourir instant. Donc, bah ça sert à rien, tu vois. Et bon, moi, vous voyez un peu du gameplay sur ma chaîne, quoi. Je vais essayer de faire vite la mission en soi pour que. Mais du coup, il a pas ours, il a électro-tour et fracas sismique et bon éclipse. Du coup, en soi, c'est pas des compétences de foufou quoi. Mais du coup, si j'aurais pu mettre l'autre pour améliorer l'électro-tour justement. Vu qu'en soi, je pense que je vais plus jouer électro-tour que.
extra-cosmique, genre dans l'utilité, je pense que l'électrotour va être plus utile qu'un cosmique. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais. Du coup, vas-y, je vais prendre la bleue, je vais lancer, je m'en fous du badge explo ou mes couilles ou en slip, mais. Là, en vrai, je m'en fous des badges ou quoi, je veux vraiment faire vite faire. Et du coup, vu que je suis solo, j'espère que je vais pas trop galérer. Bon, c'est une mission 64, tu vas me dire, mais du coup, mon héros, il est pas 130, tu vois, donc, c'est jamais. J'ai un petit glaçon à mettre. Ouais, c'est des zombies nature. Bah, c'est nickel ça, si c'est des zombies nature. Du coup, quand un sismique, il vient toutes les combien de secondes? 15 secondes. Ouais, il faut quelque chose qui réduit le délai quand même. Comme 15 secondes, ça fait beaucoup. Et l'électro-tour? 20 secondes, ah oui, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup quand même. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Hein. Beaucoup quand même. Et du coup, si vous mettez du coup des héros en soutien, ça peut être mieux quoi. Je me suis mis le petit tromblon de côté au cas où il y a un monstre. Moi, je le one shot. Du coup, j'ai envie de voir les dégâts quoi. J'aurais dû focaliser une compo pour un paraphraque sismique. Ouais, ça fait mal quand même. Ça met celle-là. Non, en vrai, il est stylé, hein, le héros. Enfin, le skin surtout. Enfin, c'est un héros, mais c'est. Skin quand même. J'aurais dû mettre survivaliste, je suis trop con en fait. Moi, j'aurais fait un kill, j'aurais repris de la vie. En fait, c'est chouette de faire les deux côtés en même temps, tu vois. Ah bah lui qui est le rejoint, c'est cool. Mais est-ce qu'il peut rentrer dans la game? C'est ça que je me demande. Ou est-ce que ça l'avait juste mis dans mon groupe en fait? Et donc. Ouais, jouer champ funèbre, c'est pas la meilleure strat. Hein. Enfin, quand t'as pas sur la licence, tiens, du coup. Ouais, ça l'a pas rentré dans la game. Ça l'a mis juste dans mon groupe. Lui, t'es là ou pas? Chat du groupe, attends. Les gars. Ah oui, il est là. Nice. Donc moi, je vais finir par mourir avec mes conneries. Merde. Merde, ils sont gamins. Ok. Mais je suis con, je joue une arme feu. Alors que j'ai mis le cyberclope en soutien. Du coup, il me sert à rien de cyberclope. Ouais, l'intelligence, c'est pas mon fort. De base, je voulais jouer Papa ou sans soi. Mais du coup, je peux pas mon crafting. Faut de l'efficace. Si, en sens, si je peux le craft, je pense. Ouais.
Ah, ça va être peut-être mieux, au moins je peux utiliser mon cyberclap en soutien. T'as vu l'influence que j'ai ou pas? Oh là là, mais ça va loin les trop tours en vrai. Il bosse. Piège au fob. Prends des risques là, voilà, il a cassé. Ne mettez pas vos phosphates sur notre laser. Un piège faible, Lulu. Pas de trappe sur moi en fait, ça. Pour être, il s'appelle comment ce héros, faut pas que je me trompe. Kawashi Kurohazu Zamura. Oh putain. Oh Hazu. Je vois tout le monde, c'est vraiment dommage. C'est le plus précisé que j'ai pas vraiment le truc, le recul de tester le truc. Du coup, si je les mets les deux en collection, ça va me faire directement deux niveaux quoi, enfin un niveau de collection. Mais bon, je vais attendre pour ce week-end. Enfin, lundi, du coup. Moi, du coup, pour faire des missions au calme comme ça, je peux jouer large. Bon travail, commandant. Mais dans les missions Picardie, je pense qu'il va être galère à jouer ce héros, mais voilà. Mais voilà. La vie, il la veut. Le avec sa tête là. Ouh.
my god. Pourquoi tu es comme ça? Lulu! Pourquoi t'es moche? Non, je rigole. Oh, je t'agresse maintenant. Oh là là. Bon, du coup, on gagne rien dans cette position. Évidemment. Par 35 avec lui. Bon. Je sais pas comment on prend 7 euros, mais... Allez, petit lama ignoré de la récompense quotidienne, comme je vous ai dit. Que des bonbons, pourquoi pas? Option épique. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vraiment épique, ça fait 100 manuels d'entraînement, ça. Et puis il a un cauchemar, du coup. Qui vont être changés bientôt, je pense. Sarah Otep. Ouais, vas-y, on va prendre Sarah Otep. Oh, tep, tep. C'est vraiment épique. Ça encore, hein, ça fait des manuels, mec. Hein. Bim. Je suis manuel là, du coup. J'ai 900. Oh, je pourrais limite l'améliorer en 130, du coup. Je vais améliorer ma raseur un peu. Pour l'instant. Je vais les mettre en 106 pour l'instant. Les deux. Et puis après, on verra bien. Bim. Du coup, il me faut 900 si tu veux améliorer les deux en 130. Ok. Bah, en vrai, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce euro quoi. Moi, je suis pas ouf. Moi, je suis pas fan de ouf. Vu que bah, sur du monde, tu peux pas vraiment tester c'est quoi son avantage quoi. Vu quand tu fais fracas sismique, bah, il meurt instant. Du coup, ils sont même pas étourdis ou quoi. Donc voilà. Sur ça.